Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment accéder aux informations cachées de votre smartphone. Donc cette méthode marche sous Android. Donc normalement tous les codes doivent fonctionner, sauf sur mon appareil, il y en a qui ne fonctionnent pas, je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, en fonction de votre appareil, il devrait marcher. Bon après si vous avez comme moi un Nexus ou il y a peut-être d'autres appareils sur lesquels ça ne marche pas, je ne sais pas. Mais normalement, il y a tout. Normalement, les codes sont censés marcher. Donc, premièrement, pour diagnostiquer l'état de la batterie et du Wi-Fi du téléphone, donc on lance l'appli téléphone et vous allez taper le code donc dièse, hashtag dièse, encore hashtag, et ensuite 4636, et vous faites hashtag dièse, hashtag dièse. Voilà, et donc là, vous voyez, ça lance ceci. Et donc, une fois là-dedans, vous allez dans données statistiques. Voilà. Et donc là, vous voyez, en fait, donc là, vous faites, donc vous choisissez, donc trier par, vous faites utilisation si ce n'est pas déjà coché. Et donc là, vous voyez, c'est tout le temps que vous passez sur vos applications. Donc là, vous voyez, par exemple, sur Messenger, j'ai passé 1h08, sur l'appli Google, 54 minutes, Chrome, 26 minutes, Snapchat, 22 minutes, etc. Donc voilà. Ensuite, on peut également accéder aux données. Du coup, il va falloir que je retape le code, mais avec ça, on peut aussi accéder aux données de la batterie. Donc, voilà, donc comme ça, si vous avez raté le code, je le refais 4636 et hashtag dièse, hashtag dièse. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez Wi-Fi information. Donc là, vous faites par exemple Wi-Fi statut, et donc là, vous voyez que donc, voilà, vous voyez que je suis à quel Wi-Fi je suis connecté, etc. Là, vous faites effectuer un test de ping, et là, vous voyez, ça scanne les résultats. Et on a toutes les informations ici. Là, on peut faire un refresh des stats. Et donc là, vous voyez, on a toutes les informations qui s'affichent. Ensuite, bon, alors là, c'est là que moi, mes codes ne marchent pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, sur votre appareil, ils doivent marcher. Donc si jamais vous ne savez pas, hein, pour avoir l'email, vous faites dièse hashtag 06 hashtag. Donc là, vous voyez, donc email. Et ensuite, donc, vous pouvez faire le code. Donc hashtag non pardon dièse hashtag 2663 et hashtag. Donc là vous faites ça. Et sauf qu'en fait là ça, vous voyez, ça a marqué exécution du code USDD. Et moi je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà. Donc pourtant ça, je suis en mode développeur et tout, donc je sais pas pourquoi ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais donc voilà, donc le code c'était ça. Ensuite il y a aussi le code donc ce code là, donc dièse. Hashtag 349 715 39 avec un hashtag comme d'habitude à la fin. Et donc là vous appelez, ça va vous remettre normalement l'exécution du code USSD. Voilà, mais moi ce code là ne marche pas non plus, donc je sais pas pourquoi. Et donc pour finir, le dernier code, mais qui va servir à tester vos haut-parleurs, c'est dièse hashtag 0289 et toujours on termine par le hashtag. Et donc une fois que tout se sera lancé, vous allez entendre une petite mélodie pour voir si vos speakers marchent bien. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur comment accéder aux applications, enfin aux fonctionnalités cachées de votre aux informations cachées de votre appareil. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut.